Hey, salut tout le monde, c'est Adri et Raph. Bonjour. Des Boredom Busters. Euh, cette nuit est sorti le trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, euh, on a envie de voir un peu ce que ça donne. On avait déjà eu une première bande-annonce euh, qui nous dévoilait un petit peu euh, les nouveaux univers, mais ici, on espère voir un peu plus de Spider-Man et un peu plus d'univers différents. Donc, euh, je vais lancer ça et on va on va checker ça ensemble. Allez, c'est parti. Je m'appelle Miles Morales. J'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, oh yeah, tu devais être là pour 17 heures. Ouais, oh, ça va. Ça va Wow. On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien Je suis la tâche. <laughs> C'est pas drôle. Non, fais pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh, oulala. Miles. Oye, Mila. Mila, est-ce c'est impossible Oh, faut qu'il y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. Yeah Miles. Tu veux faire un tour Oh Ouais Non, t'es sérieuse y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs speeder héros ouais. C'est qui le nouveau? C'est incroyable! Et c'est que le hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Speeder Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange ni du petit d'un de terre, un 9 S'il te plaît, vas-y, molo avec le gamin. Il a eu un mentor épouvantable, Peter! Mais un bébé? Eh ouais, j'ai un bébé! Je reprends la main. Être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Ah Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours. Et Oncle Ben Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Tu ne pourras pas fuir éternellement je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce que t'es prévu T'étais au courant Tu ne te rends pas compte des conséquences Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte général, arrêtez Spider-Man Toi non, non, à toi. toi, 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 toi Regardez mon oncle. Et... Ah, Laisse-moi deviner, il était mort. Ok. Ok, ok. Bon, est-ce que tu as pigé quelque chose, Raph Il faut savoir que moi, c'est un univers que je connais très peu, mais je pense que les enjeux sont plutôt clairs. À nouveau, on a Miles Morales, ado, et j'ai l'impression que qu'on rejoint un peu cette thématique de l'oncle Ben. Donc, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, il y a ce passage de l'ado qui devient. Adulte en faisant un peu des choix comme ça. Donc, euh, notamment quand tu lui mets un peu le dilemme, tu as le choix de sauver une personne ou tout l'univers. Ça me rappelle d'ailleurs le dilemme un peu du Batman dans The Dark Knight. Ouais. Un ouais, peu, ouais. tu vois, quand il doit choisir entre sauver euh, un habitant de Gotham. Un, son amoureuse, ouais. euh, jouée par Maggie Gyllenhaal, je me rappelle plus du nom du personnage, ou sauver en fait euh, la population de Gotham. D'ailleurs, c'était un piège du Joker, vu que le, il va pour sauver Maggie Gyllenhaal, mais en fait, c'était une fausse direction. Mais ça me rappelle un peu ce genre de dilemme comme ça, tu vois. Et ouais. je trouve que ça se ressent. À fond dans le ton de la bande-annonce qui alterne des moments de pure comédie, ouais, notamment ouais. le début euh, avec la tâche et le pain qui passe ouais. à travers, etc. Les moments aussi où ça rejoint, rejoue les mêmes, en fait, de hyper connus où tous les, euh, les Spider-Man Spider Spider se, se, se regardent se... ouais, l'un ouais. à l'autre, comme ça. Et des moments euh, beaucoup plus épiques où on a on, Je ne veux pas encore perdre un ami, ou ce genre de choses, où on se rend compte vraiment qu'il y a cette dualité et qui correspond, je pense, à l'âge du personnage de Miles Morales, qui est un ado, mais qui maintenant a ses pouvoirs qui l'oblige à avoir des responsabilités. Et enfin, un dernier truc que je remarque, je suis un peu long, excuse-moi. C'est euh, ce côté où il y a deux mentors, un un peu plus dark qui est une version de Spider-Man que oui, je ne connais pas. En fait, c'est euh, Spider-Man Spider 2099. Donc euh, c'est un Spider-Man du futur un peu euh, okay. il, il y a des comics très intéressants sur lui et il est souvent présent dès qu'on parle de multivers euh, en, Parle okay. de Spider-Man bah, Lui, il a l'air beaucoup plus dark. D'ailleurs, à un moment, ils s'affrontent, ils se battent. Hein. Je ne sais pas si c'est Oui, bon oui, oui. Il oui. Se bat. Et en... en VO, d'ailleurs, il est interprété par Oscar Isaac. Ah, ouais. Et euh, il avait été teasé dans une scène post-générique euh, de l'ancien, euh, du Spider-Man, euh, Into the spider verse Ok, bah, il y a un côté très dark et en même temps, vraiment par opposition à ce qu'il nous montre dans la même scène, avec le Peter Parker qui retrouve, qui est... il y a une bonhomie, là, ouais. des enfants, etc. Donc, on voit vraiment deux facettes. Deux Spider-Man qui sont dans des univers différents. Et là, je me dis, ça représente un peu tout le dilemme de Miles Morales. quoi Je le vois un peu comme ça. Sinon, moi, j'enchaîne, je en, hein, Adrien. Hein. J'enchaîne, j'enchaîne, ouais, j'enchaîne. Ouais, ouais, ouais. euh, après, après, après je, te, je te donnerai le mic, même si tu en as déjà. Hein. Ouais. <laughs> euh, au niveau animation, c'est grandiose. Ah moi, ouais, je trouve ouais. qu'on sort enfin de tous ces trucs. Euh, en fait, euh, je trouve que Pixar et Disney, ça a été une bénédiction au niveau de l'animation. Cependant, ça a amené une sorte de stéréotype de l'animation. Ouais, ouais. Et là... On en sort vraiment et je trouve ça. Il y a un style graphique, il y a une patte et c'est incroyable. Je trouve dans les mouvements, euh, il y a des, des, des trucs de traits qui ressortent et qui sont assez fabuleux quoi. À ce niveau-là, quand ça saute, quand ça court, quand ça, je trouve ça fabuleux. Pour moi, c'est vraiment l'image du comics en fait. Euh, c'est l'image du comics animé quoi vraiment. Ouais, ouais de fou, et de fou. Et... Et ça, la patte graphique hein, déjà dans le 1, on avait déjà du, du haut niveau et ici, ce que j'apprécie, c'est euh, on, on va voir ici justement quelques Spider-Man euh, passés où euh, on, ils ont chacun leur propre pas graphique, et le fait voilà, de traverser ouais. les univers, ici on a même euh, un petit clin d'œil euh, qui, toi, à mon avis, ne te parle pas, mais ici, donc, euh, dans le fameux clin d'œil, comme tu disais, où euh, tu as la fameuse scène du Spider-Man imposteur, ce Spider-Man euh, ici avec euh, l'araignée blanche, c'est le Spider-Man euh, des jeux PlayStation, c'est euh, le fameux euh, Marvel Spider-Man de PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc euh, c'est bien de venir replacer euh, quelques clins d'œil euh, direct de Sony, tu vois. Mais regarde à quel point ils arrivent à faire euh, autant de styles différents dans une même image et que le tout soit très grand, à, ouais, à fond, ouais. très digeste. Ah, ouais, ça, oui. je trouve ça vraiment très réussi à ce niveau-là. Euh, regarde ouais, ça, c'est trop marrant blague, encore une fois. Ouais. Donc euh, on est vraiment dans ce que je t'ai dit. Et, et ce que j'aime bien, c'est que ça se moque un peu en fait. De Spider-Man, de ouais. la figure. Tu vois, il y a souvent un tel sérieux qui entoure les super-héros, ouais. enfin, je dirais, à part les derniers il y a un Marvel vrai second degré. Et là, aussi. il y a un vrai second degré quand le psy, le Spider-Psy, ouais, ça ne me fait rien qu'à le dire, lui dit oh, Je parais qu'il est mort, comme ça, je trouve ça très marrant pour le coup, on dirait du Woody Allen. Quoi. Mais, mais ça, du déjà, Woody dans le 1, il y avait déjà une, une autodérision assez euh, assumée pour euh, tout ce qui est Spider-Man, parce qu'en fait, euh, au début du film Spider-Man, Spider-Man se présente en disant euh, « Salut, moi c'est Peter Parker. Alors euh, j'ai grandi, je me suis fait piquer par une araignée, tata." Ta, 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 ta. Et alors, déjà là, il, il casse le truc, il fait « Mais ça, vous le savez déjà. » Il reprend même les pires moments euh, des films Spider-Man de Sam Raimi, donc fa le fameux euh, ou euh, le... Euh, comment ils disent Billy, euh, 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 B bully, Billy Maguire, quand euh, Toby Maguire devient euh, Dark mm -hmm. euh, dans le 3 et ils font des vannes là-dessus, ils font des vannes sur la glace, Spider-Man, ils font des vannes, vannes, vannes. Et, et je trouve que ça sert vraiment bien le propos pour ce genre de, de film en animation. Quoi. Euh, et ici, ben, juste, regarde, c'est une scène pour moi totalement anodine. Mais quand on regarde les couches, donc les, les éléments qui eux sont animés sont assez bien dessinés. Puis le décor il y a le crayonné, on a un ça, aspect crayonné comme, ouais. comme une peinture, on n'a pas besoin d'aller plus ouais. loin dans le décor, une aquarelle tant que un peu comme ça ça tu vois. tant que l'action principale mais, est vraiment propre mais, mais maintenant en fait en regardant cette bande annonce je réalise que dans cette histoire de multivers et de différentes dimensions, il y a un vrai côté en fait, méta sur le cinéma tu vois. Ouais. parce qu'en fait c'est comme si ils aient, ils... maintenant ils disent en fait ok on sait que le spectateur sait qu'il regarde un film on sait qu'il y a une réflexion sur le cinéma donc on joue avec ça carrément tu vois Ouais. Et, et, je, et je trouve ça, il y a un, y a un côté intelle, intello un peu là-dedans. Ça me fait bizarre de dire ça, mais il y a un côté intello. Mais en tout cas, à nouveau, euh, là, je, tu me remontes des extraits au niveau de l'animation, ouais. c'est quand même grandiose. C'est fou furieux. C'est ouais. fou furieux. Je, moi. C'est ce qui avait fait pour moi euh, du premier film euh, un de mes films Spider-Man préférés, si pas mon film Spider-Man préféré. C'est bien simple, hein, tu as déjà vu sur mon fond d'écran de téléphone, j'ai euh, le fond d'écran de Spider-Man, parce que, enfin de Spider-Man Into de Spider-Verse, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans le monde de l'animation, moi étant vraiment un amoureux de l'animation en règle générale. Et euh, bah ici j'avais déjà eu une bonne surprise il y a de ça quelques semaines avec la bande-annonce qu'on avait eu des Tortues Ninja, où, euh, on avait aussi trouvé un style un peu plus travaillé que ce bête style 3D lissé euh, des Pixar. Ouais. Mais quand, quand je vois ça, excuse-moi de te couper, non, mais je vois clairement une influence de Spider-Man sur la bande-annonce de, de Tortue Ninja Oui, sorti, bien quoi. sûr, bien sûr. C'est assez fou. quoi. Et ici, ben, je retrouve enfin ce que j'attendais parce que le film a eu du retard. Hein, donc, euh, oui. ça, ça, je crois que ça fait deux ans qu'on l'attend. Et euh, ici, l'histoire qu'ils ont construite est tellement grande que en fait, c'est. Un deuxième film mais en deux parties. On a une partie cette année-ci et l'année prochaine, on aura une autre partie. Donc, les deux suites vont se suivre très proches. tu vois. Okay. Et, euh, et moi, enfin, quand je vois ça, j'ai juste un peu peur pour le moment. C'est qu'il n'y ait pas de réel méchant parce que moi, pour moi, ce qui fait c'est comme Batman, ce qui fait de Batman, Batman, c'est les super méchants. Et ici, ce qui fait de Spider-Man, Spider-Man, c'est souvent les super méchants. La tâche, j'ai l'impression que ça va être un peu anecdotique. Je pense aussi que c'est plus un running gag que vraiment un méchant. En tout cas, la bande-annonce nous le vend comme ça. Cependant, moi, j'ai vraiment l'impression que le méchant, c'est en fait ce Spider-Man ouais. 2099, ouais, ouais. Euh, qui pour moi représente vraiment une sorte de croisée des chemins. Pour Miles Morales, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais euh, je trouve que malgré ça, la bande annonce reste assez, d'ailleurs, énigmatique sur l'histoire, en fait. Oui. Hormis les choix et tout ça, parce qu'on nous présente d'abord une bande de Spider-Man un peu spéciaux, comme si Miles Morales allait vouloir rentrer dans une sorte de, de gang Spider-Man. Puis ouais. après, on a toutes ces histoires de dilemmes, On comprend qu'il y a des dilemmes, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Après, je pense que Spider-Man, toi qui connais super bien l'univers, il ouais. y a quand même un potentiel méchant qui est ultra élevé avec les Sinister Six, avec ce. Enfin, ils ont, ils ont ouais. ils, il y a du méchant qu'on peut faire intervenir. Donc, est-ce qu'il nous le cache ou est-ce que vraiment on va avoir plutôt une histoire entre Miles Morales et son choix Ce serait un peu dommage, je pense. Mais... Je me demande si, en fait, dans ce film-ci, on n'aura pas de réel méchant, mais plus un, un gros dilemme et que des méchants. Ouais. Moi, moi, je rêverais exactement de ce que tu as dit juste avant, d'un Sinister Six, mais multiversel, tu vois. Okay. Qu'ils aillent rechercher dans chaque univers euh, des méchants iconiques et qui viennent euh, les fusionner. Pour dans le prochain film faire des combats contre euh, bah, une multitude de spider man comme, comme on peut les voir ici, ça, ça serait fou furieux quoi. Et dans le 1 on avait eu euh, euh, Kingpin, enfin le, le Kaïd euh, qui était accompagné du docteur Olivia euh, Octopus. Enfin c'était le docteur okay, Octopus mais version femme. Quoi qui euh, avait fait euh, une opération. Euh, en fait juste un... ils ont transformé le personnage. Ils ont transformé le personnage. Ils ont transformé le personnage. Excuse-moi j'avais pas compris ta vanne euh, comment Et elle avait un look d'ailleurs particulier, j'ai oublié de te montrer ça euh, tout à l'heure, mais euh, en fait ces tentacules n'étaient pas faites en métal, mais c'était des tentacules euh, en genre de coussin d'air comme ça, qui donnaient un, un, une animation de fou furieux, parce que ça, ça se déplaçait très, euh, allez, très, de manière très animale, et c'était vraiment, vraiment okay. cool. On mettra d'ailleurs un petit extrait ici euh, pour que les, les gens puissent en rappeler. Et, euh, et ouais, bah moi, elle euh, est content de les revoir. Euh, ils ont aussi euh, un peu vieilli, les personnages. Et on voit qu'ils euh, les ont fait euh, de manière un peu plus âgée, que ce soit pour euh, Gwen, que ce soit pour euh, Miles. Euh, ils, ont ouais, ils ont une taille grandi, un peu quoi. plus grande et des traits un peu plus, euh, plus adultes. Euh... Je suis content parce que je m'attendais un peu à du fan service, genre une apparition de Spider Cochon et tout ça. Et c'est pas le cas. On a l'impression que. Ou alors je l'ai pas vu en tout cas. Et que tu parles de, euh, de fan service. Justement, euh, dans cette fameuse scène où il découvre euh, le Spider-Man de 2099, euh, où ils sont dans une pièce où ils sont en train de parler et tout, il lui dit euh, Me parle pas de Doctor Strange et de Spider-Man de la Terre euh, 6999. Eh bien, en fait, c'est euh, Tom Holland. Okay. C'est le fameux truc qui s'est okay. passé euh, dans euh, Spider-Man euh, No Way Home. Euh, avec euh, cette brèche, etc. Oui, donc, donc, même là, il y a encore un ouais. petit tacle à ce qu'ils sont donc, en train de mettre en place. Donc, Il y a vraiment des filiations, même avec les films live-action. D'ailleurs, on se demande tous s'il ne va pas y avoir des apparitions parce qu'il y avait eu des rumeurs de casting pour Toby et euh, Andrew Garfield dedans. Donc, euh, est-ce qu'on va les voir en live ou... Où... Euh, en voix pour leur personnage version euh, version animée donc ça on, on va voir mais euh, tu peux me voir. remontrer euh, le, le moment où on rencontre pour la première fois le Spider-Man de 2099 parce que j'ai vraiment l'impression de nous le présente de dos en contre-jour que c'est vraiment il est présenté comme un Et méchant Tu hein. une première arrivée donc euh, ici tu vois ou voilà et juste après, ils arrivent dans ce genre de ouais, Spider. Ouais, tu cave, vois, on nous le voilà, présente vraiment comme un méchant, je trouve. Hein. Et encore une Donc, fois, ah ouais. la compo, elle ouais, est, le triangle euh, est là. Hein. Le, est le, stylé, le triangle n'est hein. pas celui des Bermudes, mais le triangle <laughs> de la composition. Ouais, ouais. Et, et, et encore une fois, on voit se crayonner hein, euh, sur différentes couches euh, qui donne plus d'importance bah, au personnage, au au caractère animé qu'on qu doit regarder. Quoi. On s'en fout au final du décor, même si au final, ça donne un, un look ultra stylé. Hein, ça, on ne va pas se mentir. Euh. À fond. Franchement, c'est trop ouais, beau. Ça, je, moi, je suis moins amateur que toi de l'animation en général, mais je trouve c'est trop beau. Quoi. Enfin, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je te recommandais le 1 vraiment sans, sans avoir besoin de connaître tout le, tout le bagage Marvel. Et euh, bah, j'espère que cette bande-annonce 2 te donne envie de voir le 1 pour pouvoir t'intéresser au deux parce que franchement, c'est vraiment des films d'animation qui sont importants pour moi dans l'univers du cinéma. Quoi. Eh ben, écoute, ça mérite que j'y jette un. <laughs> oeil. Désolé, c'était horrible. Il n'y aura pas d'effet cette fois-ci parce que les bandes annonces... <laughs> bon ben, bah, écoute, euh, cool. super content d'avoir euh, pu découvrir la bande annonce euh, avec toi. Et, on a une date de sortie euh, avec pour ce, vous. Petit, ce petit bijou. Oui ouais, bien sûr, c'est très bientôt, c'est euh, pour juin je crois. Donc euh, j'y serai hein, dès, ouais. dès la sortie. <laughs> on va y arriver, on va y arriver... Je t'ai posé une colle là. Ouais, mais je, ouais. je sais qu'en tout cas c'est juin ou début ouais. juillet, mais c'est été en tout cas, ça c'est sûr et certain. quoi. le 1er juin Ah, ben bah, 31 mai. Donc euh, okay. ouais, c'est même très proche. Ouais. Ouais, c'est même très proche. Donc, ça m'a empêché de faire ma feinte. Le 1er juin, la fête des drogués. Oh, oh, oh. Ah ouais. <rire> nul, <rire> nul. Nul, nul. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de la bande annonce. Si vous appréciez notre contenu, euh, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. On fait plein d'autres contenus autour du monde du cinéma, on fait des podcasts, on fait l'actualité ciné de la semaine, on parle aussi euh, d'anecdotes ciné, raf et de films en particulier autour du canapé autour d'une discussion qui peut euh, venir euh, vous donner des détails euh, croustillants sur euh, les films de notre enfance ou autres. Promotion canapé. Promotion canapé, allez-y, <laughs> likez, commentez la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao ciao tout le monde.